les enfants. Bonjour, papa. Bonjour, Zigda. Bonjour, monsieur Gauthier. Oh, ça m'énerve, hein. Décidément, je ne saurais jamais mettre ces machins-là. Là, là, ça m'énerve vraiment. Attendez, je vais vous aider. Merci, Zigda. Mais dis-moi, papa, pourquoi tu mets une cravate aujourd'hui? Ah, c'est à cause de monsieur Paquette, là. Mon nouveau client, il est très à cheval sur la tenue vestimentaire, alors. Voilà. Ah bah, ça vient du jardin, ça. Bah oui. Mais oui, il y a un chat derrière la porte. Viens, le chien. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Ouais, mais regardez comme il a l'air d'avoir peur. C'est vrai, il a l'air complètement affolé, hein. Allez, tout va bien, le chien, hein? Tout va bien. Il a l'air drôlement sympa. Ouais, mais à mon avis, il est affamé. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à manger? Je m'en occupe. Oh, qu'il est gentil. Oui, mais qu'est-ce qu'on va en faire, hein? Oh, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, on peut le garder un peu à la maison. Oh oui, laisse-le au moins manger. Oui, bon, il peut rester un moment, hein. Mais vous, dépêchez-vous, il faut que vous alliez à l'école, là. Oh. Veillez à ce qu'il ne fasse pas trop de bêtises. Ne vous inquiétez pas. Merci. Dis, Zigda, tu t'occupes bien de lui, hein? Fais-moi confiance. J'espère qu'il sera encore là quand on reviendra de l'école. Comme ça, on pourra s'amuser avec lui dans le jardin. Mm-hmm. Bah, allez, Karine, cette fois, on y va. Oh, je viens. Je vous suis. Ah bah, moi, il faut que j'aille aussi. Il faut que je finisse mon prototype pour monsieur Paquette, alors. Eh bien, maintenant que nous sommes seuls, tu vas pouvoir me raconter un peu. Comment tu t'appelles? Médor. Enchantée, Médor. Moi, je suis Zigda. Enchantée. T'es pas d'ici, toi, hein? Non, de Xantia, une autre planète. Ah ouais, je me disais bien aussi, il n'y a qu'une extraterrestre pour parler à un chien. En tout cas, merci pour la pâtée, hein. C'était super, j'avais une de ses faims. Oh, c'est rien. Mais dis-moi, pourquoi tu avais peur? Ben, t'as pas vu ces deux oeufs de la fourrière qui me pourchassaient? Non. Ah, je te jure, quelle vie de chien. J'en ai marre, moi. Tu es si malheureux que ça? Malheureux, bah un peu, oui. Depuis que j'ai perdu mon maître, je suis poursuivi, chassé, battu. C'est pas une vie. Mais c'est terrible ce que tu me racontes là. Et tous les chiens sont traités comme ça sur cette planète. Non, non. Heureusement, il y en a des choyés, des heureux, avec des maîtres hyper cool, hein. Mais nous, les abandonnés, les chiens errants, on est traités comme des bêtes. Mais c'est normal, vous êtes des bêtes. Non, ça, c'est une expression. Ça veut dire qu'on est maltraités, Zigda. Ah, je comprends. Tu l'as pas remarqué, peut-être, mais sur cette planète, il y en a que pour les êtres humains. Oh là là, tu sais à quoi je rêve, moi? Non. Je rêve d'être un homme. Un mois, un jour, une heure même, hein, ça doit être tellement merveilleux. C'est vrai, ça te ferait vraiment plaisir d'être un homme? J'en rêve, je te dis. Attends, je crois que je peux faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouf! 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 Eh bien, j'ai réalisé ton rêve, je t'ai transformé en humain. Tu n'es pas content? Hein? Mais si! Mais comment t'as fait ça? C'est merveilleux! C'est merveilleux! Ouf, ouf, je suis un homme! Ouf. Dis, je suis comment? Je suis beau? Très beau. Ouf, 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 ouf. Oh, c'est super! C'est extraordinaire! Je suis content! T'es une fée, Zigda! Mais non! Mais au moins, comme ça, tu pourras juger, comparer la vie d'homme et celle de chien. Je suis heureux! Oh, je suis heureux! Dis, je peux commencer tout de suite? Quoi? Ben, là, commence la comparaison entre la vie d'un homme et la vie d'un chien. Mais bien sûr. Alors, et si on allait faire un tour? Justement, je dois faire des courses à la supérette. Tu viens avec moi? Oh, mais c'est chouette, ça. Et tu sais, en tant que chien, j'ai jamais eu le droit de mettre les pas dans un supermarché. Allez, on y va. Je vais chercher mon panier et on y va. Oui, bon. Hop, hop. Attends, en tant qu'homme, c'est à moi d'ouvrir la porte. Merci. Oh, je suis content, je suis content. Ouf, 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 ouf. Et voilà le prototype, monsieur Paquette. Ouais. Et ça fonctionne comment, ce truc-là? J'ai élaboré trois procédés. Vous voyez, il y a trois boutons, là. Le bouton rose déclenche le mécanisme de démarrage, du découpage, du déchiquetage ou du broyage des détritus. Et le bouton bleu, là, les tasses. Et le bouton jaune? Ah, ça, c'est le petit plus, hein. C'est le bouton qui permet de déclencher un spray déodorant. Alors, qu'en pensez-vous? Inutile. Pardon? Le spray déodorise. Oui. Inutile. Je fabrique des poubelles, moi, monsieur Gauthier. Je ne fais pas dans les produits d'entretien. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, vous savez. Non, mais dis donc, je sais ce que je vends quand même, non? Oui, bien bon, sûr. Alors, pour commencer,
Vous allez me supprimer le bouton jaune. Oui. Et puis le rose aussi. Ah, le rose aussi. Je ne veux pas de détritus déchiquetés ni découpés. J'ai dit broyés. Je veux des détritus broyés. Oui, mais je suis obligé de changer tout le mécanisme. Hein. Et alors? C'est ça ou rien, Monsieur Gautier. Compris? Compris. Compris, Monsieur Paquette. Et pour le bouton bleu, vous savez celui qui... C'est à voir, mais... Je ne suis pas convaincu non plus. Ah, excusez-moi, je suis obligé d'aller ouvrir. Non mais, dites, vous n'avez pas pris un autre rendez-vous, j'espère? Ah non, 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 pas du tout. J'avais bien l'intention de me consacrer qu'à vous. Mais ça doit être la jeune fille au père. Oui, 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 ça va, allez, allez, allez. Elle a oublié ses clés. Quel type odieux! Ah, oh. Oh, si je n'avais pas autant besoin de ce contrat, je vous jure. Je l'enverrais paître. Oh. Et dans les grandes largeurs, oui. Bonjour, mon chéri, ça va? Je t'attendais pas, maman. Ah, bah, tu parles d'une réception, tu ne me dis même pas bonjour. Oui, excuse-moi, maman, bonjour. Tu as l'air préoccupé. Quelque chose ne va pas? Non, rien, non. Je suis avec un client difficile et je suis assez nerveux, voilà. Difficile, difficile, difficile comment? Ah, ça, c'est simple. Il est désagréable au plus haut point et il refuse tout. J'ai l'impression d'être complètement nul. Moi, je suis en train de vivre un enfer. Oh, mais c'est ridicule, voyons. Tout le monde sait que tu es un génie. Bon, présente-moi ce monsieur. Mais maman, je peux pas, voyons. Bob, ne discute pas avec ta mère. Présente-moi ce monsieur. Où est-il? Dans ton atelier? Allons-y. Mais attends, maman. Maman. Bonjour, cher monsieur. Je vois que vous admirez les œuvres de génie de mon génie de fils. Oh, je pense que ça a l'air délicieux, ça. J'aurais bien un chien, là, au coin. Mais qu'est-ce que tu fais, Médor? Médor, je le savais. Pourquoi est-ce que tu renifles ce paquet? Mais c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire, ça. Renifler la bonne pâtée pour chien dans un supermarché. Oh, quelle pâte! Enfin, je veux dire, quel pied. Attention, là, tu ne te comportes plus en humain. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je fasse attention. Oh, regarde, là, il y a des saucisses, là. Oh, oh. Oh là, c'est sûr, il y a un chien. Je sais pas qui c'est qui me l'a amené, mais je vais leur tomber sur le poil. Mais c'est marqué sur mon magasin, c'est interdit aux chiens ici. C'est qui l'est? Oh, bonjour, monsieur Petier. Mademoiselle Zigda, excusez-moi, vous auriez pas vu passer un chien par hasard? Un chien? Non, pourquoi? Non, il m'a semblé en entendre un aboyer. Non, non, il y a juste mon ami Médor et moi-même. Médor, Médor Dupont. Ah, voilà. C'est vous, Médor, oui. Chantez-moi de même, oui. Je vais continuer à ranger mes boîtes de cassoulet, moi. Tu vois, il faut être prudent, Médor. Ah oui, excuse-moi, je vais faire attention. Oh, Zigda, quelle joie de vous voir. Bonjour, monsieur Blanchard. Bon, laissez tomber, monsieur, entre nous. Appelez-moi Michel. Je vois que vous êtes avec un ami. Un peu agressif, peut-être. Jaloux, sans doute. Bon, bah, je vous laisse, j'ai des courses à faire. Au revoir, Zigda. Au revoir, monsieur Blanchard. Médor, qu'est-ce qui t'a pris de grenier comme ça? Je sais pas, mais je l'aime pas. Écoute, tu n'es plus un chien maintenant, alors faut faire attention. Tu n'en as plus l'air, en tout cas. Oui, tu as raison, oui, tu as raison, mais j'arrive pas à m'habituer. Excuse-moi, Zigda. Bon, ce n'est rien. Et puis je vais te dire, c'était plutôt rigolo. Je n'ai jamais vu monsieur Blanchard être terrorisé comme ça. Ce prototype de poubelle auto-broyeuse est génial, purement génial. D'ailleurs, cher monsieur, mon fils a été sollicité pour participer au Grand Prix international de l'invention avec ce produit. Ah bon? Si, 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 c'est comme je vous le dis. C'est possible, mais... En ce qui me concerne, je trouve ce mécanisme compliqué. Mais oui, voyons, tous ces boutons inutiles. Non, vraiment, madame, ça ne me parle pas. Ça ne vous parle pas? Ça ne lui parle pas?
Mais enfin, cher monsieur, est-ce qu'on demande à une poubelle de parler? Non. On lui demande de correspondre aux rêves de chaque ménagère de cette planète. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle détruit, elle broie, elle découpe. Et elle sent bon. Enfin, une poubelle qui sent la rose, cher monsieur, n'est-ce pas une œuvre de génie? Ah, croyez-en, une femme, c'est un produit domestique absolu, total, incommensurable. Je vais jusqu'à dire incontournable. Vous allez vendre ça comme des petits pains? Oui, mais... Non, 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 il n'y a pas de mais. Alors, vendu? Maman, enfin... C'est... Non, je t'en prie, ne te mêle pas à la conversation. Nous sommes entre gens d'affaires, n'est-ce pas, monsieur? Eh bien, Magda, vous êtes une femme convaincante. Je peux vous appeler Magda. Mais bien entendu, non? Henri. Bien entendu, Henri. Top là. D'accord, top là. Signez-moi ça. Eh bien, voilà une bonne chose faite. Alors, content? Ravi. Absolument ravi. Bon, mon cher monsieur Gautier, je compte sur vous pour finaliser ce prototype pour après-demain, d'accord? Ah, sans problème, monsieur Paquette, ce sera fait. Ah, c'est pas tout ça, mais je dois y aller. Mais je vous accompagne, cher monsieur, je vous accompagne par ici. Au revoir, cher monsieur, et au plaisir. Au revoir, monsieur Paquette. Au revoir, au revoir. À bientôt. À bientôt. Alors là, tu m'as épaté. Oh, quelle femme d'affaires tu fais. Mais ça n'a pas changé, mon chéri. C'était comme ça quand tu étais petit qu'il fallait te défendre. Ah, ta maman a plus le tour dans son sac. Oh, tu es géniale, maman. Mais je sais, je sais. Et encore, tu ne connais pas tous mes talents. Eh bien, je crois que c'est terminé. On va pouvoir rentrer maintenant. Ouf, ben heureusement, parce que il faut que je trouve un arbre au plus vite, moi. Un arbre? Mais pourquoi? Eh ben, c'est pour... Ah ben non, zut. Mais je peux pas le dire, je suis un homme maintenant. Attends, là, mes dents, je ne comprends pas. C'est rien. C'est rien. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouf, ouf. Mais qu'est-ce qui se passe, mes dents? Mais d'or, attends! Mais d'or, tu es là? Mais d'or! Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Je crois que j'ai fait une erreur quand je l'ai transformé en humain. Il a un comportement bizarre parfois. Ma petite Zigda, vous êtes là. Bonjour, Magda. Oui, j'étais partie faire des courses. Oui, je suis au courant. Mon fils m'a averti avant d'aller chercher les enfants à l'école. À propos, j'ai servi du thé au salon. En voulez-vous un peu? Avec plaisir, Magda. Je me dépêche de ranger mes courses et je vous rejoins tout de suite, d'accord? D'accord, je vous attends. Bon, il faut que je fasse vite. Et voilà. Je peux y aller maintenant. Ah, te voilà, Médor. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est-ce que t'étais? C'est pas normal que tu aies cette osse dans la bouche pour un humain, enfin. Je sais, mais... Justement, je crois que j'arrive pas à bien vivre comme un homme, Zigda. Et tous mes ennuis viennent de là, quoi. Tu veux dire que tu as encore eu des ennuis? Oh là là, m'en parle pas. Bon, allez, raconte. Ben voilà, ça a commencé quand j'ai vu cette petite chienne si jolie, là. Mm-hmm. Tout d'un coup, crac, j'ai eu le coup de foudre. Le coup de foudre? Tu veux dire que tu as été frappée par un éclair? Mais je comprends pas, tu n'es pas brûlée. Ah mais non, Zigda, non, non. Le coup de foudre, c'est quand on tombe amoureux. Ben, tous les humains savent ça, hein. Oui, je sais, mais moi, je suis une extraterrestre. Ah ben oui, c'est vrai. Enfin bref, voilà, je suis tombée amoureux, quoi. De la maîtresse à la chienne? Mais non! De la petite chienne, justement! Je te l'ai dit, hein. Tu m'as transformé en humain, mais... J'ai gardé mon âme de chien. J'y peux rien. Je comprends. Mais si avec ça,
quand j'ai couru pour attraper la petite chienne, mm-hmm. sa maîtresse, elle a cru que j'étais amoureux d'elle. Et là, elle n'a plus voulu me lâcher, c'était terrible. Tu veux dire qu'elle a eu le coup de foudre pour toi, Médor? Oui, oui. Alors moi, je me suis enfui. Et elle, eh bien elle m'a poursuivi. Non, mais tu te rends compte? C'est vraiment bizarre. Mais tu sais, parfois, les terriens ont vraiment un comportement étrange quand il s'agit d'amour. Mais c'est pas tout, en fait. Pour échapper à la dame, j'ai trouvé refuge au coin d'une boucherie. Et là, crac, mon instinct de chien s'est encore éveillé. J'ai chopé une côtelette et ce grand os-là. Alors le boucher, il s'est mis à me courir après lui aussi. Et là, tu sais ce que j'ai fait? Tu sais ce que j'ai fait? Non, non. Je l'ai mordu. Oh non, Médor! Je suis désolé, Zigda. Tu ne lui as pas fait mal, j'espère, au moins. Ah mais non, 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 j'ai des dents d'homme maintenant. J'ai plus des crocs de chien. Oh, bah heureusement. Zigda, mais que faites-vous? Et à qui parlez-vous? Oh, monsieur. Bonjour. Je vous présente un ami, Magda. Médor. Médor? Oui. Médor Dupont. Mais dans une pont, oui, comme c'est intéressant, ça. Mais de quelle origine est ce prénom? Oh, c'est un prénom d'origine, c'est écossais. Ah, écossais, tiens donc, tiens donc. Oh, un sucre. Vous permettez? Votre ami, il a boit. Mais que faites-vous, monsieur? Mais que faites-vous, monsieur? Mais qu'est-ce que c'est? Mais dors! Oh, pardon. Ah, vraiment, monsieur, vous avez de drôles de manières. Permettez-moi de vous le dire. Mais ne faites pas attention, Magda. C'est un original, oui. Oh. Et en plus, il est parfumeur. Alors, vous savez, il renifle tout le monde. C'est un tic chez lui. Quoi? Ah, mais non, hein, je n'ai pas de tic. Je suis propre, moi, pardon. Hein. Magda, c'est de l'humour écossais. Mais pourquoi on va faire un tour encore, Zigda? Non, je ne veux pas qu'on reste à la maison. Tu vas encore te comporter en chien et avec Magda, ça va être la catastrophe. Quelle vie d'homme, je te jure. Coucou, Zigda. Salut, les enfants. Salut. Ah, je vois que vous êtes avec un ami. Oui, je vous présente Monsieur Dupont. Ah ben, enchanté, hein. Moi de même, monsieur. Dis, Zigda, et le chien de ce matin, il est encore là? Oui, mais... Oh, chic, 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 on va pouvoir s'amuser avec lui. Ah oui, j'adore jouer, moi. Médor. Médor? Vous l'avez appelé Médor? Oui, et il aboie. Bon, je vais tout vous dire. Oui. Le gentil chien de ce matin. Eh bien, c'est lui. Quoi? Parce que tu veux dire que tu l'as... transformé en humain. Oh, mais pourquoi? Il était si mignon quand il était tout doux. Mais c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé. Je rêvais d'être un humain. Ah oui? Ah ça alors? C'est génial, je n'en reviens pas. Génial, pas tant que ça. Hein. Depuis que je suis humain, j'ai que des ennuis. Alors. Ah bon? Mais de quelle sorte les ennuis? Médor! Ah, Médor, du coup, enfin, je me retrouve! Oh, Médor! Ennuis de Médor, je crois qu'il faut que je m'en mêle. Ouf! Ah, j'ai cru qu'elle allait alerter tout le quartier. Hein. Et dites-moi, vous ne pourriez pas la téléporter un peu plus loin, là, parce que dans le jardin, c'est... Oui, vous avez raison. Je vais la ramener chez elle et lui faire tout oublier. C'est plus prudent. Oui. Ça y est, je peux sortir. Il n'y a plus de danger. Non, non. Tout va bien. Dis-y, là. Je t'en prie, refais-moi devenir chien, j'en peux plus de cette vie d'homme. Tu es sûr? Oh oui, et puis comme ça je pourrais m'amuser avec les enfants. Ouais. Bon, d'accord. Non, 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 Zigda, non, pas ici, pas dans le jardin, là, avec les voisins, c'est... Ah oui, j'ai oublié. Bon, on va aller dans la cuisine parce que Magda est au salon, d'accord? Ouais, c'est ça. Dans la cuisine. Bon, eh bien, au revoir, Médor. Au revoir, Zigda, et merci, hein. Maintenant, je crois que je vais mieux apprécier ma vie de chien. Je te le souhaite. Bonjour, Médor. Super, t'as vu ça, papa? Oui, mais moi, je m'y ferai jamais. Oh, c'est juste une question d'habitude.
Dites-moi, Zigda, ça ne serait pas votre ami qui s'amuserait encore à aboyer? Oh, un chien! Et comme il est beau! Et comment s'appelle-t-il? Médor. Médor. Encore un. Oh, mon beau garçon, que tu es beau, mais que tu es beau. Oh,